toutes et à tous, BDBest est de nouveau en balade. Nous sommes le mardi 6 juin et nous allons assister à une petite conférence de presse au palais de Cronenberg. À votre avis, vu la tenue, une petite idée de l'événement auquel nous allons assister? D'ici quelques instants, vous en saurez plus sur... Deuxième petite interview de cette conférence de presse. Je profite du moment effectivement où, là oui, vous l'avez reconnu, Axel Red est un peu en train de manipuler une arbalète. On peut te poser quelques petites questions, tu dans quelques instants. Alors, quel effet ça fait pour toi, la Belge, d'être enfin dans le Mugaïk? Ben, en fait, apparemment, j'avais oublié ça. On m'avait proposé ça en 2014, j'étais pas libre. Et donc là, quand ils m'ont proposé et que je savais que j'étais libre, j'étais ravie. Parce que je pense comme tout le monde un peu ici, j'adore tout ce qui est les costumes et tout ça, donc je suis un peu excitée comme un enfant. Mais il y a plus que ça. Je veux dire, pour moi, c'est aussi... Il y a le côté politique. Je veux dire, je suis une vraie Belge quand même. Je suis née à Selt, j'ai de la famille à Genval, dans les Ardennes. Je vis depuis 37 ans à Bruxelles. Il y a ma belgitude que j'ai toujours, au-delà de ma musique, quand même défendue à l'étranger, que ce soit à travers la mode belge, à travers... Et donc, c'est super important aussi de montrer aux nouvelles générations l'importance de Bruxelles déjà à la Renaissance. Et puis le fait que, en fait, même s'ils ont essayé de diviser notre pays en séparant la culture, on est indivisible. Je veux dire, là, on a montré une fois de plus que les forces sont réunies pour montrer qu'on a un patrimoine en commun, on a beaucoup de choses en commun et que la Belgique existe continue à exister. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Comment vois-tu ton rôle? Parce que héros, tu vas pouvoir être... Ben déjà, j'aimerais quand même préciser que je ne suis pas héros, mais je suis une héros. Oui, d'accord. Voilà. Et... J'aimerais rajouter une petite touche parce que je ne savais pas que j'avais le droit à ça, mais apparemment maintenant qu'on m'a dit que je peux, j'ai envie de... Parce que je me rends compte depuis très très longtemps, parce que j'ai trop écrit là-dessus, qu'il suffit de prendre un autre angle ou un autre point de vue pour se rendre compte que la femme était plus importante dans n'importe quelle période de l'histoire humaine. Je veux dire, regarde la Bible, je veux dire, tu prends un autre point de vue de Maria Magdalena et on pourrait dire qu'elle était l'assistante de Jésus ou que c'est elle qui l'a inspirée carrément. Et j'ai envie de faire avec un peu d'humour, peut-être des petites remarques là-dessus, que tu vois, la femme, elle aurait bien pu porter l'arme et qu'il n'y a pas de hasard qu'on mettait la plus belle, mais surtout la plus lourde robe à une femme qui pesait 14 kilos. C'était en fait pour l'immobiliser. C'était toujours, au lieu de lui donner un costume plus mobile et tout ça. Et donc voilà, je vois plein de petits rôles avec de l'humour dans mon rôle d'héroïne. Tu as parlé de ton costume? On peut avoir quelques petites infos, mode? Je n'ai pas encore mon costume. Tu n'as pas encore vu? Non, ils m'ont dit que je peux faire un choix et je me demande si je peux l'ajuster un peu, apporter un petit switch, un twist moderne. On a des connaissances pour faire ça. Ouais, mais ça m'amuse beaucoup. Et puis c'est beau, c'est toujours avec des beaux tissus, avec c'est pas le prêt-à-porter avec des tissus jetables, donc c'est du durable quoi. C'est du recyclage, c'est voilà. Du perpétuel. Du perpétuel. C'est du perpétuel, voilà. Tu as déjà assisté plusieurs fois à l'Omega. Et puis je n'ai jamais assisté à l'Omega. Ah, c'est vrai. Donc je suis ravie parce que je vais en même temps le découvrir. J'ai vu les images et tout ça, mais j'ai jamais eu l'occasion. Je suis sûre que j'ai toujours été occupée moi-même. C'est comme ça quand on est artiste, c'est que voilà, on rate plein de choses. Mais donc je suis ravie. Je vais le découvrir et être plein dedans. Acteur et actrice et... On te souhaite un excellent Omega. Merci. En tout cas, bon amusement et bon courage aussi. Parce que bon, merci, on lui souhaite le meilleur, bien entendu. Mais j'ai déjà parlé aussi avec votre collègue. Vous faites ça chaque année. Chaque année. C'est génial parce qu'apparemment, tout le monde est tellement, comment dire, convaincu de ce qu'ils sont en train de faire. Il y a votre collègue qui me disait, vous savez que Charles Quint, apparemment, en fait, il avait dans chaque pays des femmes de la famille à lui qui plaçait et qui devait le représenter. Donc je vais, ça m'a donné envie d'aller faire les recherches. Et, voilà, ça m'amuse beaucoup. Voilà. Eh bien, à tout le monde, merci. Merci. Excellent. Merci.